Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai mis mes lunettes X-Trefy. Tout simplement pour réparer une erreur. La semaine dernière, je vous ai présenté ma nouvelle souris X-Trefy et j'avais oublié de mettre mes lunettes. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc, nouvelle vidéo bon plan en ce vendredi. Donc, bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, je mettrai tous les liens dans la description. Et nouveauté cette semaine, je vais commencer par les PC gamers. En fin de vidéo, je vais faire la configuration de la semaine. Ce sera une configuration à 900 €. Donc voilà, c'est parti. On commence tout de suite avec un premier PC chez Darty. Très intéressant, 699 €, toujours à très bon prix. Mais vous allez voir, il y a d'autres PC à suivre. Ça va être des pépites. Donc, premier PC déjà, pour moins de 700 €, c'est un budget qui est vraiment pas mal du tout. Surtout par rapport à la configuration. C'est un Core i5-10400F avec GTX 1650 Super qui est toujours très très bien pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. 8 Go de RAM malheureusement uniquement. 512 de SSD, Windows 10. Donc, un PC vraiment très très bien pour débuter, pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Deuxième PC, vraiment super intéressant et franchement c'est pour ça que j'ai commencé avec les PC gamers pour cette semaine. Donc PC de chez Medion et Razer, donc 1000 € et en plus de ça livré, donc super intéressant. Vous allez voir la configuration, donc i5-10400F, c'est le concurrent du Ryzen 5 3600, donc 6 cœurs 12 threads, 16 Go en DDR4, SSD de 512 avec Windows 10 et surtout dans ce budget RTX 3060 Ti, vous savez bien on la retrouve environ à 700 € voire plus de 700 € cette carte graphique en ce moment. Donc là pour le prix c'est vraiment très bien, le boîtier c'est un boîtier in-win, on va essayer de voir plus de photos, comme vous voyez c'est du micro ATX, c'est quand même un bon boîtier avec une bonne conception, donc très bon prix ici chez Discount. Autre PC très intéressant de la marque Oxygen Gaming, donc c'est un abonné qui me l'a fait partager, donc 1114 €, la configuration est un peu moins puissante que le Medion, mais c'est vraiment excellent aujourd'hui. Donc Core i5-10400F, 16 Go DDR4, disque dur d'1 Tera avec SSD de 240 Go, Windows 10, RTX 3060. Donc ce boîtier, je sais pas si vous reconnaissez pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, c'est le boîtier que j'ai utilisé pour le PC justement à 1100 € juste ici. Comme on voit les composants, cette fois-ci moi j'avais mis un Ryzen 5 5600X, RX 6600XT. Donc les performances du PC que j'ai monté sont un peu meilleures, mais dans tous les cas, pour 1114 €, c'est vraiment super intéressant en ce moment, donc monté bien sûr et avec Windows, et également le même en version noire pour ceux qui préfèrent, 1114 € également. Autre PC toujours intéressant chez Memory PC, donc Ryzen 5 3600, RTX 3070, Windows 10, 242 SSD, disque dur d'1 Tera pour 1319 €. Simplement, je vais vérifier un truc, c'est au niveau de la mémoire, si c'est bien la bonne fréquence. Donc déjà le boîtier, vous prenez celui qui vous intéresse avec des plus-values bien sûr. Pour échanger également la carte mère, et nous ce qui nous intéresse c'est surtout la mémoire. Faites bien attention quand vous commandez sur le site Memory PC, c'est de prendre deux barrettes. Ici en DDR4 3000 avec un petit supplément de 4,90 €. Allez, on continue maintenant avec les composants PC. Premier processeur que j'ai déjà présenté, donc il est à 121 €, là 129,99 €. Ryzen 5 1600AF qui fera partir de notre configuration à 900 €. Processeur 6 cœurs 12 threads. Je le rappelle, c'est plus ou moins un Ryzen 5 2600 avec des fréquences un peu plus basses. Le gros avantage de ce processeur, déjà bon, c'est qu'il y a un petit ventilateur dans la boîte, mais c'est qu'il y a les cartes mères qui sont en B450, vraiment pas très cher, on en trouve énormément sur le marché. Deuxième processeur intéressant à 249,99 €, c'est le Ryzen 5 5600X. Donc ici sur le site Rakuten, il était au même prix sur le site Darty que j'ai déjà présenté. Donc c'est le revendeur Extra Digital Storage. Ce qui est bien en plus de ça sur le site des fois Rakuten, c'est qu'il y a des petits codes réduction en plus. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Dans tous les cas, excellent processeur. C'est un des meilleurs du moment. Et donc son grand frère ici chez Darty, Ryzen 7 5800X, toujours à très bon prix. 378,99 €. Et n'hésitez pas à voir également sur mon site internet, il y a des processeurs également de chez Intel. Et donc une carte mère qui va bien avec les deux processeurs qu'on vient de voir. Donc c'est la Gigabyte B550 Gaming X à très bon prix, 78,98 €. C'est pas la meilleure carte mère certes, mais pour une carte mère ATX en B450, c'est un prix très correct en ce moment. Et encore une réduction sur la Aorus B450 Elite version 2, donc là 69,99 €. Donc cette carte mère a été beaucoup critiquée parce que les VRM sont vraiment de qualité, on va dire, très moyenne, mais sans problème avec un Ryzen 5. Ne mettez pas dessus, par exemple, un Ryzen 7 ou Ryzen 9. Donc Ryzen 3, Ryzen 5 est vraiment zéro problème. Et également, pour overclocker, c'est vraiment pas conseillé du tout. Dans tous les cas, pour 70 €, une carte mère bien équipée en B450. Au niveau de la DDR4, sur le site Alternate, il y a pas mal de bons prix. Le seul problème, c'est les frais de port, donc 9,98 €. Comme on voit ici, donc 63,90 € pour 16 Go en DDR4 3200 Patriot. Donc le look très très sobre noir, dans tous les cas, très très bon prix.
et 66,90€. 16 Go en DDR4 3200, les Team Group Vulcan Z. Je vous laisse voir également plus près un lot gris qui se marie également avec beaucoup de cartes mères du marché. Autre kit intéressant, les Crucial Ballistics en DDR4 3200 également, donc deux barrettes de 8 Go, donc 16 Go en tout pour 72,99€. Également le modèle Clef Bolt X que j'aime beaucoup, très intéressante également pour 73,27€. Et les Corsair Vengeance 16 Go en DDR4 3000 ici pour 74,90€. Au niveau stockage, toujours à très bon prix, le Western Digital Blue pour 49,99€, donc version 500 Go. Et la version 1 Tera, excellent prix, 81,99€. Au niveau disque dur, comme vous m'avez demandé, donc Toshiba P300 version 1 Tera, excellent prix, 31,58€. Et le Western Digital Blue version 1 Tera, 7200 tours par minute également pour 32,99€. On fait un petit point 4 graphiques comme chaque semaine, donc les meilleurs prix actuellement. Et on retrouve régulièrement bien sûr chez Top Achat. Donc GTX 1650 modèle EVGA Ultra, donc un modèle très intéressant, 259,99€, c'est très cher. C'est 100€ trop cher, on va dire. Dans tous les cas, ça va être disponible très très prochainement. Donc c'est pour joueurs 1080p, plutôt qualité faible, moyen, suivant les jeux. Donc j'en ai une. Peut-être que je ferai une vidéo test justement de la GTX 1650, voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc je pense que ça peut être intéressant parce qu'on en retrouve de temps en temps dans les 250€. Et je préfère celle-ci qu'une GTX 1050 Ti au même prix en ce moment. Autrement, au niveau des cartes graphiques plus intéressantes, RTX 3060 modèle KFA carré ici pour moins de 500€. Également RTX 3060 modèle Inno 3D pour 519,99€. Également RX 6700 XT pour 739,99€. Plus performante que la RTX 3060 Ti qu'on retrouve au même prix. On continue maintenant avec la sélection alimentation, boîtier, refroidissement. Donc première alimentation que j'ai déjà présentée, Sharkoon SHP Bronze 500 watts, 29,90€. Les petits frais de port ajoutés également 9,98€. Version 600 watts, 34,90€. On passe à la Corsair RM 650 watts 80 plus Gold à très bon prix, full modulaire pour moins de 80€. Donc là, c'est plus une alimentation milieu de gamme supérieure, on va dire. Et la version 750 watts, exactement la même pour 89,99€. Donc très intéressant, bonne puissance, bonne qualité de conception. Donc il n'y a vraiment rien à reprocher, surtout à ce prix. Et toujours chez Corsair, avec le boîtier Spec Delta à très bon prix, 56,99€, il tournait régulièrement en ce moment dans les 60€. Donc le gros avantage de ce boîtier, c'est d'avoir 4 ventilateurs, dont 3 ventilateurs RGB en façade et du verre trempé, format ATX. Autre boîtier que j'aime bien, super intéressant, bonne conception, bonne qualité, Fractal Design, Meshify C en version blanche, en version verre trempé pour moins de 80€. Autre boîtier intéressant qu'on retrouve de temps en temps, voire régulièrement dans les 80€, le Corsair 4000D en version Airflow. Donc version Airflow, c'est le grillagé ici en façade. Donc c'est vraiment un excellent boîtier, une très très bonne conception. Il est très sobre en noir, mais la version blanche est plus chère. Et également chez Cdiscount, il y a le 4000D tout court, donc pas la version Airflow. Donc c'était une façade ici pleine. J'aime beaucoup cette version Full White également. Et au niveau refroidissement, justement, le petit Enermax, nouvelle baisse de prix pour 31,99€ cette fois-ci, RGB, il est blanc, ça peut aller très bien dans le 4000D sans problème, très intéressant à ce prix. Water Cooling ici de chez MSI, on le présente plus, le Core Liquid 240R RGB pour 89,99€ livré. Et celui qui cherche un Water Cooling de 360 mm, le Deep Cool Gamax L360 version 2, donc c'est bien du RGB, c'est-à-dire une seule couleur à la fois, moins de 80€. On passe maintenant à la section périphérique gamer et je vais inclure les écrans cette semaine dans cette section. Donc premier clavier super intéressant ici de la marque Oki mécanique pour 25,99€ avec des switches rouges. Là, ce prix-là, c'est vraiment super intéressant. Je l'ai en plus ce clavier à la maison, donc il n'est pas spécialement silencieux on va dire, mais dans tous les cas, le RGB est vraiment très correct. Une bonne qualité de fabrication, à ce prix-là, c'est vraiment une pépite. Et pour ceux qui veulent les switches bleus, un peu plus cher, donc c'est bizarre, d'habitude c'est les bleus qui sont le moins chers, donc 27,99€. Exactement le même avec des switches bleus, donc je précise, c'est RGB AZERTY. Ceux qui cherchent maintenant un clavier un peu plus haut de gamme, nous avons une bonne promotion ici sur le Corsair K60 RGB Pro avec des switches Cherry Viola. J'ai jamais utilisé ce genre de switch. Dans tous les cas, Corsair sait faire de très très bons claviers, donc bonne qualité, AZERTY RGB aluminium pour moins de 90€. On continue avec maintenant un fauteuil gamer, c'est très rare dans les vidéos bon plan, donc je suis tombé dessus, Razer Iscure X en version noir-vert. Donc comme vous voyez le prix, 232€. Donc il y a une version XL, faites attention, là c'est la version normale. Regardez par exemple, il y a d'autres versions à plus de 550€. C'est vraiment très très cher les fauteuils ici de chez Razer. Donc ça peut être bien pour les fans de la marque Razer. Dans tous les cas, c'est une bonne qualité de fabrication et un prix beaucoup plus correct que d'habitude on va dire.
Également chez Rue du Commerce, il y a des promotions sur une sélection de fauteuils gamer. Donc c'est jusqu'à moins 20% de remise avec le code CONFORT20. Donc je sais pas, suivant les fauteuils, ce que ça va donner. Donc il y a du Noble Chair, donc très connu, Noble Chair de la top qualité, il n'y a vraiment pas de souci. Et je crois qu'il y avait d'autres marques, Nitro Concept, voilà, il y a du Nitro Concept. Donc voilà, surtout c'est la marque Noble Chair qui est représentée, donc jusqu'à moins 20% suivant les modèles. Et donc toujours sur les écrans, il y a la promotion de la marque Lenovo du 10 septembre au 30 septembre sur pas mal d'exemplaires, vous allez voir, et il y en a deux qui sont vraiment excellents encore cette semaine. Donc on file à la Fnac, donc c'est disponible Fnac, Darty, Amazon, etc. Donc c'est bien précisé ici les revendeurs qui sont attribués, dont Cdiscount, Rue du Commerce, etc. Donc premier écran pour 379€, un écran 25 pouces en dalle IPS 240 Hz. Donc vous allez bien l'acheter 379,99€, faudra remplir des documents, donc respectez bien tout ça. Et il y aura sur ce modèle-là 200€ remboursés. Donc prix final 179€, c'est vraiment excellent, j'ai jamais vu ça, pour un écran en 25 pouces dalle IPS 240 Hz. Et autre écran que j'ai trouvé intéressant, un écran cette fois-ci 21 neuvième, 34 pouces WQHD, donc très grosse résolution, il faut quand même une bonne carte graphique pour en profiter, RX 6700 XT, voire RTX 3070 minimum, pour 449,99€ le prix d'achat, donc c'est le prix correct, hein. C'est une dalle VA incurvée, et donc sur ce modèle c'est 100€ remboursé, donc prix final 349,99€, c'est un prix très intéressant. Et on termine donc avec les PC portables, donc puisqu'on a vu les PC gamers bien sûr en début de vidéo. Donc PC portable très intéressant ici pour 969,99€. Très intéressant pour un Asus TUF en 17 pouces. Donc je présente souvent des 15 pouces, c'est plus rare les 17 pouces, mais c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc 17 pouces, Full HD, 144 Hz. Core i5 11400H qui est beaucoup plus intéressant que son prédécesseur. On va tout de suite voir les specs en détail, mais c'est un 6 cœurs 12 threads. Donc oui, ce qui est intéressant, on est sur le site de chez Intel, donc 6 cœurs 12 threads cadencés en turbo maximum jusqu'à 4,5 GHz. Donc c'est un processeur de dernière génération gravé en 10 nanomètres. Donc super intéressant, ça fait plaisir de voir des processeurs plus modernes sur les PC portables. Ils sont de plus en plus performants, c'est ça qui fait plaisir. Donc le reste de la configuration un peu moins bien avec 8 Go en DDR4, je vous conseille de passer rapidement à 16 Go. SSD de 512, faudra installer Windows et autrement RTX 3060. Donc ça fait un PC final dans les 1000€ si vous rajoutez 8Go en DDR4. Autre PC super intéressant que j'aime beaucoup, que j'ai présenté la semaine dernière, le Dell G15 en Ryzen Edition. Pourquoi il est intéressant? Donc déjà le prix très correct, hein, 1399€, bonne conception, excellente autonomie, avec un Ryzen 7 5800H, écran 15 pouces 120 Hz, 16Go en DDR4, RTX 3060 dans une version énervée on va dire, et également nous avons bien sûr Windows 10. Donc PC portable très intéressant, et en plus de ça il y a 100€ remboursés si vous achetez un accessoire supplémentaire, donc ça peut être par exemple une petite souris. Et PC portable super intéressant également, Acer Nitro en 17 pouces, écran Full HD 144 Hz avec un Ryzen 7 5800H excellent et RTX 3070, SSD qui fait plaisir d'un Tera, 16Go de RAM et Windows 10. Donc prix super compétitif en ce moment pour 1526,99€. En plus de ça, en bundle, il y a le Battlefield 2042 qui a été repoussé d'ailleurs. Donc j'aime beaucoup ce PC portable très intéressant à ce prix-là qui permet de jouer sans problème dans de très très bonnes conditions. On finit avec la configuration de la semaine, donc configuration de la semaine 900€. Donc on va commencer par le processeur comme d'habitude, donc il faut que je le retrouve. Donc processeur ici pour 130€, Ryzen 5 1600AF. En carte mère, ça va être la B450 de chez Aorus Elite pour 70€. Au niveau de la RAM, on va sur le site Alternate et on va pas prendre que ça bien sûr, donc 16Go en DDR4 3200 pour 64€. Pour amortir les frais de port, l'alimentation 600 watts de chez Sharkoon 80 plus bronze pour 34,90€. SSD NVMe, le Western Digital Blue pour 50€, version 500Go bien sûr. Ça peut être un plus intéressant de prendre la version 1 Tera. En carte graphique, on part sur la RTX 3060 à moins de 500€. Et au niveau boîtier, ce que j'aime bien dans cette gamme de prix, dans une cinquantaine d'euros, c'est le Corsair Spec Delta, donc 56,99€ exactement. Donc ça fait un PC à environ 900€ qui permet de jouer bien sûr en 1080p, qualité élevée, ultra suivant les jeux bien sûr. Donc c'est vrai que ce qui va brider, ça va être plutôt le processeur sur cette configuration. Dans tous les cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Très bon week-end d'avance à tous et je vous dis à dimanche pour ceux qui veulent. Ciao, bye.